Voilà, je pense que l'antenne vient d'être activée. Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien. Tous mes voeux pour cette nouvelle année. Santé, bonheur, prospérité. Toujours le plus précieux, c'est la santé. Donc voilà, faites attention. J'espère que vous allez bien. Ça me fait bizarre de me dire qu'on est déjà un 1er janvier 2023. Temps passe vite, hein, comme je le dis souvent. Dur, dur. Que dire, que dire? Je vous souhaite le meilleur et je vous remercie d'être là, sous quelque forme que ce soit. Même les anonymes qui regardent discrètement de temps en temps, je suis content que je puisse vous apporter des ondes positives, de la bonne humeur, avec les âneries vécues en direct, et mes sessions de jeu, quoi, de détente, ça fait un bien fou. Merci aux plus actifs, ceux qui se manifestent à l'écrit, que ce soit dans le chat de Twitch, que ce soit dans les commentaires de ma chaîne YouTube, par exemple. D'ailleurs, je vais honteusement faire mon auto-promo et vous remettre le lien dans le chat. Que ce soit sur le Discord, d'ailleurs, tiens, j'en oublierai presque ce réseau social où vous pouvez me laisser vos messages et interagir avec les autres membres de la communauté. N'oubliez pas qu'on est une bande de copains et je me réjouis de me dire que mois après mois, année après année, la communauté grandit, on s'entend bien, on fait des projets en commun, c'est vachement bien. Par exemple, là, on a fait le dessin hier avec FunFan. On était une quinzaine à faire du Gartic Phone en direct. On s'est bien marré pendant 4 heures. Ça, c'est le genre d'expérience qu'on rêve de vivre au moins une fois par an. Mais on essaye de temps en temps de trouver des occasions spéciales pour, surtout les jours fériés, pour fédérer un max de monde et qu'on s'éclate tous ensemble. Que dire? Je ne sais plus. Merci aussi à ceux qui s'engagent encore davantage, même si moi je vous cache pas que je demande rien. C'est ceux qui mettent, je dirais, la main au portefeuille sous forme d'abonnement, de dons, de. Il y a quoi d'autre? C'est déjà beaucoup. Oui, il y a les Cheers Beats, là, la monnaie de la plateforme Twitch. Merci à vous. Une pensée première envers Saul Goodman. Il faut pas se voiler la face, c'est le plus généreux. Il est adorable de financer la chaîne. D'ailleurs, je vais venir sur le bilan et bilan financier dans les minutes qui vont suivre. Merci aussi FunFan, évidemment, mon bon copain pour au quotidien presque, du moins tous les week-ends, les clips, la modération, ses conseils, ses critiques, ses bons mots, on se marre, il en débite des âneries, il le sait. Voilà, tous les bons moments passés ensemble. Donc finalité de la chaîne, et c'est la devise pour le meilleur et pour le rire. Moi, je rappelle pourquoi je suis venu sur Twitch. Parce que j'avais besoin exutoire déjà de partager ma bonne humeur, d'avoir des interactions avec un public quand je suis dans ma période, dans mes moments de repos, c'est-à-dire lorsque je fais du jeu vidéo. La plateforme, ce que j'attends d'elle, c'est de pouvoir interagir avec vous si mon contenu, ma personnalité vous plaît. C'est vrai que c'est un exercice, faut pas se voiler la face, hein, c'est un exercice assez narcissique. C'est-à-dire de se voir, de se mettre en avant en public, même si c'est par écran interposé, c'est en public, il faut pas se voiler la face. Ce que j'attends en retour de la plateforme derrière ça, ce temps investi, c'est des bons moments et on en vit des beaux. Moi, ça me fait du bien, vous me ressourcez. J'espère que tout autant moi j'arrive effectivement à atteindre cet objectif pour vous, c'est de vous changer les idées, de vous faire marrer. Et je vois un peu comme un médicament en fait, moi, l'usage que j'en fais de la plateforme. Voilà, c'est un exercice vraiment magnifique. C'est un bon emploi de la bonne technologie. Bon, je vais pas philosopher pendant 4 heures, j'en serais capable. Mais vous avez compris le principe. Gérer le financement derrière est accessoire. Alors, ça fait partie intégrante de Twitch, la plateforme de Jeff Bezos, Pompe Afrique. Souvent, je la critique. Au moins, on va dire une fois tous les 6 mois, je développe ma pique envers la plateforme parce que les pubs, etc., ça y va. Vous saurez d'ailleurs que sur mon canal, j'ai tout fait pour qu'il n'y ait pas de pub.
Vraiment, j'essaie de mettre de côté le côté pompe à fric. Je suis pas là pour ça. L'essentiel, c'est on échange entre nous, on se fend la poire, on passe des bons moments. Là, c'est vraiment le cœur même, la finalité de l'existence même de mon canal. Et je vous remercie pour votre présence. Allez, j'ai envie de dire, on va parler des choses qui fâchent et au moins ce sera fait. Au niveau des sous-sous, je suis stupéfait, c'est-à-dire que ma cagnotte, mon petit cochon rose de la chaîne, j'avais pointé dans ce qui m'a été transmis par Twitch, j'en suis à 310 dollars et quelques centimes. Voilà. Tiens, d'ailleurs, je changerai. Alors, pas aujourd'hui, c'est loupé, mais le week-end prochain, je serai tenté de changer la sonorité de mon horloge. J'avais intention de mettre des cloches d'église pour faire changer un peu. On verra. Je vais essayer de changer de son de tout 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 tout. What else? Pardon, je vois un coup parce que parler parler, ça assèche le gosier. Bref, pour vous dire que moi, je m'étais fait une petite projection pour ma première saison, ma première année. De me dire, oh, je pense que timidement, je pointerai sans forcément les atteindre le cap des 100 dollars. Et je pensais aux abonnements, tout bêtement, le truc qui est systématique sur Twitch. Et bah, surpris du score déjà atteint. Et sachez que tous les sous, là, cette cagnotte-là, quand je dépense quelque chose, je l'archive. Je le note hein, vraiment comme un comptable et je justifie tout. Je fais pas n'importe quoi avec ça. Pour le moment, c'est inerte, c'est-à-dire que c'est mis de côté, je ne m'en sers pas. J'ai la chance de ne pas en avoir besoin. Twins and Twitch me fait la pique de temps en temps en rappel en disant ouais, ça va tranquille, t'as 250 jeux. Oui, et encore, on s'en tient qu'à la plateforme Steam parce qu'on est copains amis sur la plateforme et il a vu ma liste. Moi, je la cache pas. J'ai la chance d'avoir une belle collection, mais il n'y a pas que ça. Je commence à me mettre à GOG par exemple, influencé par FunFan, mais pas que. Et puis j'ai la chance d'avoir des jeux en dur, j'ai la chance d'avoir des jeux en console. Là, les yeux fermés, j'ai de quoi vous fournir du contenu pendant 10 ans. Sans déconner. C'est-à-dire quasiment tous les week-ends, samedi, dimanche, du matin au soir, pendant 10 ans, je peux faire plein de multiples jeux. Que ce soit en solo ou en multijoueur avec vous. Et voilà quoi. Donc le côté sous-sous. C'est réservé pour l'achat de jeux, mais pour le Message moment, de j'en fais pas. FunFan 1992. Bonjour, bonne année, bonne santé, bon anniversaire à la chaîne. Bonjour, FunFan, j'espère que tu vas bien. Oui, merci. Bah, tous mes voeux à toi aussi, hein, comme je disais tout à l'heure en introduction, comme tout à chacun, bonheur, santé, prospérité. Sachant que la santé, c'est le plus important. Que dire, je sais plus. Donc voilà, merci, un grand merci à tous les généreux donateurs, hein, c'est le cas. Là pour le moment c'est en sommeil, c'est un matelas de sécurité. Je vous cache pas que s'il y a des difficultés à animer la chaîne et à financer, bah, ça fait du bien d'avoir ça, ce qu'on appelle un pécule, une cagnotte de côté. Donc merci, merci, voilà, je sais pas quoi dire d'autre. L'important, c'est un côté honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une dépense dans cette cagnotte-là, je vous le dis, je vous détaillerai, je tiens vraiment à être très réglo avec vous. Maintenant, en dehors du côté, on va dire matériel de la plateforme, que dire d'autre? Bilan de la saison précédente. Ou plein de positifs. On est plus nombreux, ça se passe bien. On n'a pas eu de soucis particuliers, que ce soit technique ou incident, on va dire social, avec quelqu'un qui se comporte mal. Non, dans l'ensemble, j'ai pas été troublé par des incidents, donc c'est génial. Pourvu que ça dure, comme dirait le regretté humoriste Jean-Yves Lafesse. J'essaye de varier mes jeux, je suis plutôt content de mon rythme au niveau de la plupart des week-ends là, diffusés du samedi matin au dimanche soir. J'essaye de faire de pas mal de choses. Bah oui, FunFan, oui, tu parles de SDR, oui, Stade de Reims, qui, bon,
Il est parti de Twitch, il a pu supporter, on en a déjà parlé entre nous. Voilà, je lui souhaite le meilleur à SDR, j'espère qu'il va bien, on a passé des bons moments, puis il voulait plus que ça continue de la manière dont ça évoluait au niveau de nos canaux respectifs. Bah bon, il a mis les voiles, comme on dit, et je lui souhaite bon vent. C'est-à-dire que j'espère qu'il a des expériences plus heureuses ailleurs, et bon, c'est comme ça, mais je garde un très bon souvenir à SDR, hein, de lui. Merci à lui d'avoir été là, et tout le temps, il nous avait consacré pas mal de temps. C'est vrai qu'il était dans les premiers à interagir avec nous, et il était très, très littéraire dans le sens, il clavardait pas mal, et ouais, c'est sympa. Puis d'autres sont arrivés, voilà, c'est propre à la vie d'une chaîne Twitch. Je sais, très honnêtement, je sais qu'il y en aura d'autres, et voilà, c'est ainsi, ça fait des beaux souvenirs, au final, c'est vrai, hein. C'est dingue, c'est magique, comme expérience. Que dire d'autre? Je sens que je suis en train de vous pondre une harangue, c'est-à-dire un discours long et pompeux, et je le fais d'autant plus sans filet, au risque de me casser la figure dans mon monologue, que je ne le fais sans plan, ce qui n'est pas bien. Quand on est sérieux, bien posé, on se fait un plan de papote et on le suit. Là, je me suis lancé quasiment dans le vide, sans élastique. En même temps, dans la coulisse, j'essaye de bosser pas mal de trucs. Avant d'ouvrir mon antenne en direct, figurez-vous que j'ai fait un enregistrement où je vous présente mes vœux en 5 minutes. Ça va arriver ce soir sur ma chaîne YouTube. Et je vais essayer de vous le mettre en temps fort sur ma chaîne Twitch. Mais il veut pas prendre en charge mon format de fichier, c'est pas grave. Je verrai ça plus tard, peut-être ce soir ou demain. C'est pas la fin du monde. Alors, le déroulé de la journée, c'est sûrement ce qui vous intéresse le plus, et je vous comprends. Je vais me lancer dans quelques minutes dans Tomb Raider 4. J'ai envie de continuer Tomb Raider 4 ce matin. On est en Égypte. En pause déjeuner vers je sais pas quelle heure, aux alentours de 13h, va tomber la nouvelle compile de clips, c'est-à-dire l'enchaînement des clips des 3 derniers mois. Plus de 70 minutes, la nouvelle compile, j'ai pas encore regardé le chrono, mais il y en a quasiment pour 1h15. Je crois que c'est ça d'ailleurs, elle fait 1h15, 75 minutes. De franche rigolade, moi ça me permettra de me restaurer, de me rafraîchir pendant ce temps-là. Sorti de là, on devrait enchaîner sur Sonic 2. Souvenez-vous que j'ai une partie où il me reste une émeraude et je vais devenir Sonic d'or. Et finir Sonic 2 en Sonic d'or, ça va être la folie. On enchaînera après, je l'espère, avec un jeu en commun. Alors, je sais pas si je vais pouvoir faire du mini-golf. J'aimerais bien faire Golf Galore avec Edges, Ilélan, Ayonette et autres. J'aimerais vraiment faire du mini-golf. On va voir, ça ce sera aux alentours de 16h, je pense. Et puis, on va se laisser glisser dans des activités diverses. Peut-être un autre jeu au pif qui va s'intercaler entre 17 et 18h aussi. La fin de journée est dans le flou, j'improviserai. Mais on terminera au plus tard sur 19h sur les Bibi Marble on Stream. On se fera une partie de Bibi, et moi, ce sera l'occasion d'ouvrir ma vocale, où j'aimerais vous interviewer, vous. Alors, c'est sur la base du volontariat, vous serez invité à venir sur mon vocal, mais en tête-à-tête, pas tout le monde en même temps. Je vais essayer d'organiser un conciliabule en tête-à-tête, et les uns derrière les autres, je vous interrogerai, moi, ça m'intéresse, votre rapport à vous avec la plateforme Twitch. D'ailleurs, là aussi, je pense que j'ai la prétention d'avoir de tête ma petite interview que j'avais griffonnée dans un fichier texte. Mais je sais pas ce que j'en ai fait, ça va être quelque part dans mon répertoire de diffuseur. Mais de tête, je sais à peu près les questions auxquelles je vais vous soumettre. Et puis, bah, on bouclera l'antenne en début de soirée, peu avant 20h, sur du tableau mystère. Mais tableau mystère, on va boucler l'actuel, qui est un tableau basé sur des jeux qui ont été publiés sur PC. Et je vais inaugurer les tableaux mystères basés sur la Mega Drive, ou le Genesis pour son nom américain. Donc, j'ai bon espoir que, déjà, je réfrène un peu
les scores monumentaux de Twinsen, puisque je crois qu'il sera moins à l'aise sur les jeux de la Mega Drive, et à l'inverse, vous soyez plus à l'aise à vous engager à jouer et à faire des propositions de noms de jeux quand vous verrez mes montages photos de capture d'écran des jeux et que vous trouvez les bonnes réponses à quel jeu correspond la capture d'écran. Voilà. Bonjour Pierre Troutman, j'espère que tu vas bien. Oui, bonne année tout le monde, merci, bisous à tous aussi. Et le meilleur, santé, prospérité, bonheur. Merci tout plein à toi et à ta famille. Et Pierre, tu sais, donc cette semaine là, je suis content, j'ai retrouvé ma voix. J'étais barbouillé. Et on va dire que je traînais en gros une mauvaise grippe, je toussais, je coulais du nez. Du coup, je me retournerai vers toi en semaine, hein, comme prévu. T'en fais pas, je me ferai plaisir de te joindre. Ah, t'as la crève, oula. Ouais, tu démarres, bon, il y a pire, faut se dire. Mais prends soin de toi, Pierre. Ouais, t'arrives plus à parler, mince. Bah, j'attendrai un peu, puis c'est ça, le coup de te téléphoner, ça va me faire du bien, je vais être content de t'avoir au bout du fil, et je t'appellerai, si tu veux, en fin de semaine, peut-être vendredi, le temps que tu retrouves ta voix. Voilà. Et puis d'ici là, je pense que je t'enverrai, je clavarderai avec toi. On a nos canaux habituels, voilà, pour communiquer. C'est un régal, c'est que du bonheur. Bah merci à toi d'être là, Pierre Troutman. Que dire? Bah je vais peut-être me lancer au lieu de baratiner. Là, je baratine depuis 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Je vais déclarer la session de jeu ouverte. On va démarrer la nouvelle année me concernant avec Lara Croft en Égypte. Attendez que je retrouve mon pupitre de commande et que je déclare le bon jeu.